Nous pouvons chapitre series epi and gp. Epi veut dire arithmetic progression, gp veut dire geometric progression. Nous pouvons part 1, subtopic c'est introduction to epi ou introduction to arithmetic progression. Qu'est-ce que ça un arithmetic progression ou un epi? L'en sequence code nous pouvons besoin ajouter the same number throughout. Alors, par exemple, ici nous pouvons faire n plus 2 faire 3 et que nous pouvons add the same number. Nous pouvons continuer ajouter 2 pour nous progress. Alors 9 plus 2, nous gagnons prochain TM, nous pouvons 11. Next, deuxième sequence aussi vient arithmetic progression parce qu'il nous peut ajouter même number. Et comment ici nous pouvons ajouter négative 3, ajouter négative 3, ajouter négative 3, ajouter négative 3, et 0 plus négative 3 fait négative 3. Alors, ce chiffre que nous pouvons ajouter là, il est capable d'être un negative number. Ça, c'est bon, arithmetic progression. Quand nous progressons, nous pouvons add the same number. Consider the following arithmetic progression, the sequence qui peut follow an arithmetic progression. Vous pouvez trouver ici, nous pouvons ajouter 2, nous pouvons aller même. Alors, il y a une notation qui est bien importante dans ce chapitre-là. Par exemple, small letter n, il représente position. Okay? Par exemple, ici, première position, quand n égale 1, c'est first position, nous avons 3. Et quand n égale 2, nous avons deuxième position, nous avons 5. Quand n égale 3, veut dire nous avons troisième position, nous avons 7. Next, c'est nth term. T représente term. Nth term. Par exemple, quand n is equal to 1, là, nous avons first term. T1 veut dire first term, ce valeur est 3. T2 veut dire second term, ce valeur est 5. T3 veut dire third term, ce valeur est 7. Veut dire position ben TM là, nous peut trouver le subscript ici après T, après valeur ben TM là, nous peut donner après equal sign. Alors, au fini de trouver notre deux symboles bien importants, N, il représente position, de qui position qui TM là était première position, deuxième position, troisième position, et TN représente nth term, premier TM 3, deuxième TM 5, troisième TM 7. Next. Nous, arithmetic progression, vous pouvez trouver, nous pouvons ajouter un chiffre pareil, ça on appelle ça common difference. Alors, des affaires bien importantes parce que nous pouvons servir une formule, de formule, il y a un symbole. Alors, le premier symbole qui est bien important, c'est first term. Premier term de la sequence, nous représentons par small letter E, et de ça l'exemple-là, E lit 3. First term lit 3. Next. Common difference, ça chiffre qui nous peut continuer à ajouter là, les commun, ok, les common, ok. Et comment on gagne sa valeur là, qui nous peut ajouter, nous peut aller même, nous capable prendre un terme, retirer un terme avant, les 5 retire 3 fait 2, 7 retire 5 fait 2, veut dire nous peut ajouter 2. Alors pour nous gagner 10, nous common difference, nous prend un terme, nous retire un terme avant, dit. Par exemple, ici qui nous peut ajouter, nous peut ajouter 2. Comment on gagne ça chiffre 2 là? Vous pouvez besoin prendre deuxième terme, retire premier terme, ou troisième terme, retire deuxième terme. Prends un terme, retire un terme avant. Vous pouvez dire qu'on n'est pas qui nous peut ajouter. Alors ici, quand nous prenons deuxième terme, retire premier terme, nous pouvons gagner 2. Troisième terme, retire deuxième terme, fait 2. Alors nous common difference dit, qui chiffre nous peut continuer à ajouter, c'est 2. Consider the following arithmetic progression, 9, 4, negative 1. Alors, nous allons remplir ben information ici. Allez, nous avons nth position. Nth position veut dire ben position sur ben TM. Nous avons première position, first position, nous avons 9. Quand n égale 2, nous avons deuxième position, nous avons 4. Et quand n égale 3, veut dire nous avons troisième position. Alors, T1 veut dire first term, nous avons 9 dans nos sequences. T2 veut dire second term, il est 4. Et T3 veut dire third term, ici, il est négatif 1. Alors, dans nos arithmetic progression, nous pouvons trouver, nous pouvons ajouter un chiffre pareil. Ok, valeur A, c'est first term dans nos sequence, il est 9. Et common difference, comment nous gagnons? Nous prenons un TM, nous retenons un TM avant. Nous comment ici? Nous prenons 4 retiré 9, il fait négatif 5. Ou, comment tu as fait ça? Tu prends T3 retiré T2. Ou prend négative 1 ou retire 4, réponse fait négative 5. Alors, ou fini connaît qui nous peut continuer, ajoute négative 5 pour nous progresser dans sa sequence là. Alors, ou valeur 10 ici, comme un difference, négative 5. Next, nous pouvons derive une formule qui est capable de faire n'importe qui thème tu as envie d'une arithmetic progression.
Ok, nous trouvons que small letter n représente position et que nth term ça les représente par t. Alors, first term, les t1, second term, les t2, third term, les t3, ok, fourth term, les t4, and so on. Ok, nth term, right? N'importe qui term qui me demande dans sa sequence là, nous pourrons donner une formule pour lui. Qui formule qui est là qui donne toi n'importe qui term dans n'importe qui position dans une arithmetic progression. Alors, comment nous faire ça? Right, rappelle bien, nous te dire que first term de sequence ça nous peut représenter par small letter a et que nous pouvons ajouter une common difference d pour nous progress. Ok. Alors, ici, comment nous derive sa formule? La formule que tu peux trouver, li tn is equal to a plus n minus 1 d. N'importe qui term ou envie. Par exemple, si on veut t2, second term. Pour gagner second term, ou besoin prendre le premier terme qui nous peut représenter par a, ou peut besoin ajouter n fois d. Ok. Si on prend a, ou ajoute n fois 2, ou arrive au second term. Next, pour arriver au third term, depuis first term, ou pour besoin ajoute combien coûte d? N, 2. Ou pour besoin ajoute 2 fois d. Next, pour arriver au fourth term, depuis first term, et ou besoin ajoute 3 fois d. Alors, fourth term, nous avons besoin de prendre valeur a, nous avons besoin ajoute 3 fois d. Si nous observons sequence là, quand il y en a 2 ici, ici, n coûte besoin ajoute d. Quand on a 3, nous avons ajouté 2 coûts, nous avons ajouté D. Quand on a 4, nous avons ajouté 3 coûts D. Alors, qui nous peut remarquer? Qui n'importe qui term, nous peut demander toi, nth term, tu prends E, tu retires, ça chiffre là, tu retires N tous les temps. Ok? Alors, N là, nous pouvons retirer N. L là, nous pouvons faire pas D. Alors, ça, c'est formule qui nous derive, qui est capable de nous donner n'importe qui term d'une arithmetic progression. Et nous prenons un exemple. Dans l'exemple, ici, nous avons une arithmetic progression. Nous décidons ça si vraiment il y a une arithmetic progression. Vous trouvez, nous pouvons ajouter 3 pour nous progresser. Alors, il y a une arithmetic progression. Si il y a une arithmetic progression, des valeurs bien importantes, vous avez déjà valeur A qui était et valeur D qui était. Alors, ici, valeur A, c'est 5, first term, c'est 5, et valeur D qui vous pouvez ajouter, c'est 3. Ça, c'est valeur D. Et qu'il n'y a pas de qui terme qui nous envie, nth term, se formule li a plus n minus 1 times d. Ok? Valeur a et valeur d, ça li fixe. Nous ne pouvons pas remplacer. Alors, tn pour vin, valeur a li 5 plus n minus 1 times d. D ici li 3. Ok? A et d, ça li déjà valeur fixe. Next, valeur n li varie. Tout dépend qui terme li peut demander toi. Si vous demandez toi, 5e terme pour remplacer n par 5 pour gagner ce valeur. 7e terme pour remplacer n par 7 pour gagner ce valeur. Mais ici, nous demandons 6 termes. Alors, nous savons la même formule. A plus n minus 1 times d. Ok, valeur A, ici, nous trouvons 5 plus valeur n. Qui terme, nous demandons 6e terme. Alors, n, il représente position. Nous faisons 6 retirer n fois. Valeur D, nous trouvons 3. Divine 5 plus 6 retirer n fait 5 fois 3. Divine 5 plus 3 fois 5 fait 15. Et 5 plus 15, nous gagnons nos réponses. 20. Exemple n. Look at the following sequence. Find the 620th avec nth term de sa sequence là. Alors nous observe nos sequences. Il y en a 2, après 7, 12, 17, and so on. Ok. Est-ce qu'il y a une arithmetic progression? Parce que pour servir formula, il faut qu'il y ait une arithmetic progression. Nous trouvons la vérité, il y a une arithmetic progression parce que nous continuons à ajouter 5 pour nous progress, veut dire sa sequence là, il faut et une arithmetic progression. Alors, valeur A bien important là-dedans, il 2. Valeur D ici, il 5, ce que nous pouvons continuer à ajouter. Allez, partie A, il demande find the sixth term. Sixth term ou T6. Comment nous gagnons ça? Nous formule li A plus N minus 1 times D. Valeur A ici, nous connaissons les 2 plus N. Qui position ce terme libre devant toi? 6e position. Alors, on remplace N par 6 fois D ici, li 5. Divine 2 plus 6 retire N fait 5 fois 5. Divine 2 plus 5 fois 5 fait 25. Et 2 plus 25 fait 27. Alors, si vous progressez, soit les mêmes premier, deuxième, troisième, quatrième, le 6e position, nous gagnons 27. Next, partie B. Find the 20th term. 20th term. Ou T20. Toujours même formule. A plus N minus 1 times D. Valeur A. Ici, D2 plus N. Qui position ce terme 0 D20? Alors nous refaire 20 retirer N. Fois D. Nous valeur D ici D5. Divine 2 plus 20 retirer N fait 19. Et divine 19 fois 5. Alors divine 2 plus 19 fois 5 fait 95. Et 2 plus 95, nous gagnons nos réponses 97 pour partie B.
Next part, you say find the nth term. Ok, Tn, là, les general nth term. Nous vous gagnez par formule a plus n minus 1 times d. Valeur a, nous pouvons remplacer par 2 plus n minus 1 times d. Valeur d, ici, c'est 5. Ok, valeur n, nous pouvons remplacer parce que nous mettons en général n'importe qui valeur n, veut dire besoin de quitter n comme il était. Nous simplifier, comment nous pouvons simplifier ça? Nous pouvons besoin expandre. Si nous expandons, positive n fois 5 fait positive 5n et positive négative n fois 5 fait négative 5. Nous simplifier, ici dans 5n et deux like terms, c'est dans 2 retiré 5 qui fait négative 3. Ça c'est réponse pour partie C. Exemple 2. Look at the following sequence 3, 10, 17, 24. Il demande common difference, 10th term, 110th term et which term is 1403. Ok, alors nous sequence ici les 3, 10, 17, 24 et que nous continuons. Ok, est-ce qu'il y a une arithmetic progression? Nous regardons qu'il peut ajouter pour y progresser. Est-ce qu'il peut ajouter même chiffre? Oui, il peut continuer à ajouter 7. Alors il y a une arithmetic progression. Et s'il y a une arithmetic progression, nous sommes capables d'extraire valeur A, first term les 3 et que nous common difference D 7. Ok, partie A. Partie A, il demande common difference D et common difference ici les 7. Next, partie B, il demande 10th term. Alors, 10th term, comment nous pouvons dire par formule, à cause d'une arithmetic progression, nous sommes capables de servir sa formule là. Valeur A, c'est 3 plus N. 10e term, nous pouvons nous pouvons remplacer N par 10, fois D, 17. Alors, il vient 3 plus 10 retiré N fait 9 fois 7. Il vient 3 plus 9 fois 7 fait 63. Et 3 plus 63 fait 66. Ça, c'est partie B. Next, partie C, the 110th term, allez, T 110, toujours même formule, A plus N minus 1 times D, valeur A, ici dit 3 plus N, dit 110, retiré N, fois D, D dit 7, alors il peut venir 3 plus 110, retiré N, fait 109, fois 7, alors il peut venir 109, si nous fois pas 7, il vient 763, alors nous fait 3 plus 763, nos réponses peuvent venir 766. Next, partie D, il y a une question à part, nous get li. Which term is 1403? Qui TM qui 1403? Premier TM, deuxième TM, cinquième TM. Lequel TM, déjà, il peut demander position. Donc, qui position est dans sa 14, sa chiffre 1403 là? Ce position, déjà, va les N qui nous veut besoin roder ici. Alors, partie D, toujours nous vous servir même formule TN, mais ici nous connaissons nos réponses. Alors, nous écrivons la formule là avant, A plus N minus 1 times D. Nous connaissons la réponse à 1403. De qui position il était? Nous pouvons retirer ça par les N là. Alors, nous remplaçons nos informations. Nous valons A de sa séquence à 3 plus N minus 1 times D. Valet 10 ici 7 égale 1403. Ok, alors 3 nous envoyons de l'autre côté. Nous pouvons N minus 1 times 7 égale 1403. Retirer 3. N minus 1 times 7 vient 1400. 7 peut multiplier avec sa braquette là, on va dire à droite, devine n minus 1 égale 1400, divise par 7, n minus 1 devine 200. Vous trouvez que n pour devine 200 plus n, alors n pour devine 200n. Alors nos réponses devine 200n, veut dire 201st term is 1403. Ça c'est réponse pour exemple 2, ce parti D. Exemple 3, nous avons une sequence ici qui peut poser un peu de questions concernant sa sequence là. Nous observons cette sequence là, nous avons 7, 16, 25, 34, non les mêmes. Ok, qui nous peut ajouter ici, vous trouvez nous peut ajouter 9, nous peut continuer à ajouter 9, nous peut continuer à ajouter 9, c'est-à-dire une arithmetic progression, code valeur A, first term, les 7, et common difference D, les 9. Allez, question, partie A, find the 56 term, alors T second 6, formule A plus N minus 1 times D, valeur A ici 17 plus N minus 1 second 6 retiré N, fois D, D 9. Living 7 plus second 6 retiré N fait 55 fois 9. Living 7 plus, si nous faisons 55 fois 9, nous gagnons 495. Et si nous faisons 7 plus 495, nous gagnons 502. Alors ça c'est partie A sur réponse. Next, partie B. Find the nth term, rotte n. Alors, formule li a plus n minus 1 times d. Valeur a, nous connaît 17 plus n. Li general ici, nous laisse n appareil. Fois d, d 9.
Nous simplifions 7 plus, nous expandons ici, 9 fois n fait 9n, 9 fois négative n fait négative 9. Next, nous simplifions les 9n, et 7 retiré 9 fait négative 2. Next, partie C d'India, which term is 898? Alors, Tn, nous formule les a plus n minus 1 times d. Les p demandent valeur n, se position. Mais valeur là, Tm là, nous connaissons ce valeur, les besoins 898. Ok, valeur a ici nous remplacer les 7 plus n nous pour besoin rôder. Fois d les 9 égale 898. Alors, les vins n minus 1 times 9, vins 898. Retirer 7. N minus 1 times 9, vins 898. Si nous retirer 7, les vins 891. Et n minus 1 pour égal 9, il peut multiplier à droite, il peut 891 divisé par 9. Ok, nous continuons là-haut. N minus 1 égale, si nous faisons 891, nous divise par 9, réponse 99. Et valeur n pour 99 plus n, réponse 100. Alors, ça c'est réponse pour partie C. Next, partie D, nous arrivons. Allez, nous check partie D. Partie D, whether. Find whether 178 is a term in this sequence. Peut-être qu'il peut dire quand tu peux continuer, tu peux aller même. Est-ce que 178 n'est pas un TM de sa sequence là? Allez, s'il y a un TM de sa sequence là, nous allons dire quelle position nous pour gagner sa TM là? Allez, partie D. Et nous savons même formule nth term, Tn. Ok, Tn nous trouvons, et là nous simplifions les 9n minus 2. Alors nous avons un TM qui nous peut envie de checker 178. Est-ce qu'il y a un TM de sa séquence? Si il y a un TM, nous pouvons gagner une valeur n, une position pour lui. Alors nous solvons sa équation là, 9n égale 178 plus 2. 9n pour 178 plus 2 fait 180. Valeur n pour 180 divisé par 9, valeur n 20. Alors il dit que 20e TM de sa séquence là, il pour 178. Nous confirmons, nous testons. Ok, nous faisons un testing. Est-ce que la vérité T20 pour 178 et que le point TM de sa séquence ça nous servit une formule A plus N minus 1 times D. Valeur A ici de 7 plus N, 20e TM, nous remplace N par 20. 20 retiré N fois D, valeur D de 9. Et pour 7 plus 20 retiré N fait 19 fois 9. Et 7 plus, si nous fait 19 fois 9, nous avons la réponse 171. Ok, et 171, ça veut dire 7 plus 171. Et 7 plus 171 fait 178. Alors 178, la vérité, il y a un TM de sa séquence là, et clip de 20e position. Alors nous réponse c'est yes pour partie D. Next, partie E. À ça nous checker, est-ce que 3002 lui prend un TM de sa séquence là? Toujours même formule, Tn, nous simplifions, nous trouvons divine. 9n minus 2, nous pouvons équater avec 3002 pour checker si 3002 il y a un TM de sa séquence là. Alors 9n pour égal 3002 plus 2. 9n pour égal 3002 plus 2 fait 3004. Valeur n pour venir 3004 divisé par 9. Et valeur n pour venir, si nous fait 3004 nous divise par 9. Réponse pour venir un decimal number 333.7. Il y a le même. Ok, ça c'est valeur n. Il va venir un decimal number. Mais position pas capable décimal. Quand nous causons position, pareil comme on peut faire les courses, un dimon n'est sorti premier, deuxième, troisième, quatrième, mais il n'est pas capable sorti 3.5e. Alors, valeur n, une position n'est pas capable décimal. Alors, nous pouvons checker, est-ce que 3002 y a un TM de sa séquence à cause de cette position n'est pas venu un decimal number? Réponse est non. 3002 n'est pas un TM de sa séquence. Exemple 4. Nous avons une séquence ici, nous séquence les 212, 203, 194, 185 et qui continue. Ok, alors est-ce qu'il y a une arithmetic progression? Ici nous pouvons trouver qu'il nous peut ajouter négative 9 et que nous pouvons continuer à ajouter négative 9. Alors il y a une arithmetic progression. Valeur A first term ici pour 212 et que valeur D comme une difference ici pour négative 9. Et question partie A, find the first term, nous avons dit 212. Partie B, find the common difference, négative 9. Partie C, bien intéressant, on dit déjà, find the first negative term in the sequence. Alors, sa sequence, vu qu'il y a un chiffre, peut diminuer, puis aller même. Allez, ou pour commencer à gagner, ben, negative terms. Ça va un terms là pour négative. Valeur là, il est pour négative. Là, pour l'instant, il est positif. Mais plus il peut diminuer, il peut venir moins que 0. Il peut venir négative. Et qui peut demander sa first negative term là sur valeur. Alors, partie C.
Alors, nous pouvons ben TM, c'est qui pour négative. Et négative, c'est less than 0. Ben valeur qui less than 0 qui négative. Et TN, nous gagnons par formule A plus N minus 1 D, parce qu'il y a une arithmetic progression. Et TM, nous avons less than 0. Valeur A, c'est 212 plus N minus 1 times D. Valeur D, c'est négative 9, less than 0. Next, nous simplifions les 212. Négative 9 fois N fait négative 9N. Négative 9 fois négative n fait positive 9, ça l'est pour less than 0. Nous fait 212 plus 9, et si nous fait 212, nous ajoute 9, il fait 221. Alors 221, retirer 9n, il vient less than 0. Négative 9n, il vient less than 0, retire 221, fait négative 221. N pour venir plus grand qu'il, négative 221 divise par négative 9, qui fait une sens inequality sign dans l'autre direction, parce qu'il nous peut diviser par un négative number, nous apprendre. Qui inequality sign besoin renversé. Alors n pour une plus grand qui, si nous faisons 221, nous divise par 9, ou soit négative 221 divise par négative 9, nous pouvons répondre à un long decimal number to three significant figures et pour une 24.6. Alors next, nous analyser. N in une plus grand qui est 24.6. Alors qui nous supposait comprendre par ça? Donc tu peux envie connaître qui ben TM qui négative les n 0 et qui peut répondre toi, ben TM c'est qui se position plus grand qui 24.6. Et que position libre amène whole number. Alors qui mène whole number qui est plus grand que 24.6, nous prenons 25, 26, 27, etc. Veut dire qui mène TM qui est négatif, tout mène TM c'est qui appartient à 25e position à monter. Ok, ça c'est mène TM, c'est qui pour négatif. Et qui nous demande le first negative term. Veut dire premier negative term là, il pour le 25e position ou answer l'hypéro de T25, 25e term. Ok, nous savons même formule A plus N minus 1 times D, valeur A c'est 212 plus valeur N 25 retiré N fois D, valeur D de négative 9. Nous simplifions pour trouver réponse pour une négative 4. Alors ça c'est first negative term de sa sequence là.